garde, insecte géant! Tu ferais peut-être mieux de t'enfuir! Prends ça! Et ça! En garde! Ça t'apprendra à m'avoir attaqué! Tu es vraiment délicieux! Daifu! Celui-là! Lui! Que fait-on du champion? Amène-le-moi! Ce qui m'appartient! Il me faut l'épée. Chère dame Daifu, splendeur des 100 cavernes. N'ayez crainte, seigneur Holt. Je ne vous ai pas mandé pour vous punir de vos nombreuses erreurs passées. Mes erreurs? Je vous ai convoqué ici pour que vous soyez mon témoin dans la mise en œuvre d'un des plus grands projets imaginés par l'Empereur. Et je suppose que vous avez prévu que j'y joue un rôle important en m'associant à ce grand projet. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Un tout nouveau soldat de pierre. Plus grand, plus fort, plus rapide, doté d'une armature d'acier trempé pour soutenir la pierre et pour la renforcer, la rendant pratiquement indestructible. Ce casque permet à celui qui le porte de contrôler le soldat d'acier en temps réel, rien que par la pensée. La parole n'est pas nécessaire. Dame Daifu, c'est un immense honneur de vous servir à nouveau. Et quelle que soit l'opération que vous comptez mener, ce sera sûrement le geste le plus important de tous depuis que l'Empereur a été déchu. Oui. Et parce que cette mission est très importante, vous ne pouvez certainement pas en faire partie. Comment ça? Vous m'avez déçu à de nombreuses reprises. Très déçu, seigneur Holt. Considérez-vous comme chanceux que je daigne encore vous garder à mon service. Mais alors, pourquoi m'avez-vous demandé de venir ici? Pour vous ordonner de vous tenir à l'écart de la caverne des pêchers fleuris. Je n'ai pas besoin d'un perdant comme vous dans les parages. Mais... Vous pouvez disposer. Des tâches plus urgentes m'attendent d'ailleurs. Oui, mais... Disparaissez! Disparaissez? Elle me prend pour qui? Je ne suis pas un chien qu'on écarte de la table. Non, je peux aller où je veux et je peux faire tout ce que je veux. Surtout si je peux te contrôler. Elishen est très courageux, le champion de l'Est est généreux. Ils ont vaincu l'Empereur et ce n'est qu'un début pour ce héros. Je trouve que Pronto n'est pas comme d'habitude. C'est vrai, on dirait qu'il est plus... Trixie est futée, et elle sait bien y faire. Cord est un grand troll, c'est aussi une lumière. Cool. C'est pas exactement le mot que j'aurais choisi. Ils sont des héros. Héros. Hé, on a un nouveau message de notre mystérieuse amie. Ah oui, qu'est-ce qu'il raconte? J'ai l'impression qu'il y a un problème à la caverne des pêchers fleuris. Ça semble grave.
Oh, il y a des innocents à protéger. Avanti, amici! Allons-y! Cool, Pronto. Qui me crie? Je pense que c'est un travail pour l'élémentaire de l'eau. Félicitations. Oh, vous êtes revenu. Ah oui. Oh, c'est inespéré. Dites-moi ce qui s'est passé ici. Un seigneur avec un soldat de pierre géant a attaqué le village. Et où sont-ils maintenant? Le palais de l'empereur. Le seul endroit digne de recevoir ma personne. Enfin, il le deviendra bientôt, une fois que j'aurai changé la décoration. Donc, vous allez devenir le nouvel empereur? Empereur? Oui, j'aime beaucoup le son de ce mot. Empereur Holt! À partir de maintenant, on devra s'adresser à moi en m'appelant Empereur Holt. Nul n'aura le droit de m'appeler Seigneur Holt. C'est compris? Oh, Seigneur Holt! Toi, le Topoïde, lui-même? Pas tout à fait lui-même. Je t'ai vu à terre! Les rumeurs concernant mon décès étaient grandement exagérées. Vous avez semé la destruction dans cette caverne. Le peuple vient réclamer justice! Vous ne voyez pas qu'Elisha, une des 99 cavernes, est dégoûtée? Oui, oui, je suis dégoûté. Et aujourd'hui, vous croyez que vous pouvez entrer comme ça au péché fleuri, la caverne du champion de l'Est, et prendre le pouvoir? Opprimer la population aussi cruellement que l'empereur? Eh bien, Junji n'a pas l'intention de vous laisser faire. Oui, Pronto, tu as raison. Cette expression de stupeur et d'effarement sera le reflet de votre dernière expérience. Attention! Ça, c'est un gigantesque soldat de pierre! Ce sera bientôt un énorme tas de cailloux. T'es prêt, Junji? On va le démolir. Ha! Même pas mal! Votre homme de main n'est pas suffisamment persuasif, Holt. Mince, c'est vrai, Pronto est super cool. Pas assez cool pour affronter tout seul cette créature. Pronto, va vite te cacher. Je vais écraser cette bestiole. Reste tranquille, Topoïde. Je ne peux pas commander ces attaques si tu bouges tout le temps. Regarde, il nous prouve qu'il est capable d'exploits comme il l'a toujours prétendu. Il faut que nous l'aidions. Je vais lancer l'élémentaire de la Terre. Hé, hey, Pronto, n'aie crainte, on t'envoie l'artillerie lourde. Cette créature ne peut pas avoir survécu à ça. Qu'est-ce que vous espérez en tirer comme profit, Holt? Le pouvoir, la vengeance! À vrai dire, je suis bien content que vous soyez là pour assister à ça! Vous n'êtes pas suffisamment grand pour prendre la place de l'empereur, Holt. Elisha et le champion de l'Est ne vous laisseront pas faire! Et quelle sorte de champion appellerait un topoïde à son secours? Racontez ce que vous voulez sur moi, je m'en moque! Mais je ne supporte pas qu'on insulte mes amis! À chaque fois que Pronto détourne l'attention de Holt, le soldat arrête de l'attaquer. C'est lui qui le contrôle.
Quelque chose me dit que vous échouerez toujours, Holt. Il serait temps que vous admettiez l'évidence. Pronto. Il doit sûrement le contrôler à l'aide de ce casque high-tech qu'il porte sur la tête. On va voir ce qui se passe si on le lui enlève. Bien joué. Ça, c'est un coup de maître, Ellie. Oui, je crois que je commence à faire des progrès. Oh non. Je suis désolée de vous décevoir, mais votre quart d'heure de gloire est désormais terminé, Holt. Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, c'est vrai, je ne comprends plus rien. Elle s'est servie de vous, Holt. Une stratégie. Si je lui avais demandé d'attirer votre petite bande jusqu'ici et de vous retenir prisonnier, il aurait sans doute échoué. Alors j'ai trouvé un moyen de le motiver afin qu'il puisse accomplir cette tâche sans problème. Celui-là. Je vous présente mes hommages, madame. On ferait peut-être bien d'intervenir. Je crois qu'on ne va pas avoir besoin de le faire. Intrigante que vous êtes! Vous croyez que je vais accepter ça sans réagir? Êtes-vous sûr que c'est ce que vous désirez, Holt? C'est moi qui commande ici! Et il est temps pour moi de vous dire au revoir, madame la comploteuse! Désactivez casque de commande! Attendez, qu'est-ce que vous faites? Attrapez-la! Le soldat d'acier n'a pas été créé par notre empereur pour qu'on puisse le contrôler. Il a été créé pour fonctionner uniquement à l'essence de vie. Attendez. Donnez-moi encore un peu et il pourra enfin penser par lui-même. Ce qui n'est pas votre cas. Tu sais, je me demande si on n'aurait pas mieux fait d'intervenir. Soldats d'acier, détruis-les! Laisse-moi celui-là. Maintenant! Tous aux abris! Jamais j'aurais cru pouvoir dire ça, mais... Pronto! C'est quoi le plan? On n'a pas la place ici pour venir à bout de ce monstre! Il faut s'arranger pour le combattre à l'extérieur! Il a raison! Il faut partir! Tout le monde sur les mécas! Dépêchez-vous! Pronto se charge de Dame Daifu. Il est beaucoup plus rapide qu'avant. Et aussi plus puissant. Holt le contrôle mal. Holt est en lui maintenant. Mince, j'espère que Pronto s'en sort mieux que nous. Vous auriez dû amener plus de soldats de pierre, madame. Regarde! Assurément un adversaire redoutable. Tu oses te permettre de me faire des compliments? Ah.
C'est des insectes. Bien joué. Il faut retourner chercher Prompto. On doit d'abord se débarrasser de ce monstre, sinon on ne pourra pas l'aider. Qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on sera sorti? Il n'y a pas beaucoup de place non plus dehors. Préparez-vous, le voilà qui arrive. Vous savez, il aurait l'air beaucoup plus sympathique s'il enlevait sa panoplie de méchants. Soldat d'acier! Détruis la caverne des péchés fleuris! Sauvez les habitants! Vous avez entendu, les amis? Mettez tout le monde en sécurité. Je vais aider Junji à occuper ce soldat. Entamer cette montagne d'acier. Je ne vois rien d'autre qu'une slug forgeron et une matraqueuse. Il tente un tir fusion. J'espère qu'il va y rester, parce que cet engin-là refuse de démarrer. Oh, espérons que Prompto va s'en sortir. Wow! Soldat de pierre en approche! Ah, chouette! Vous revoilà! Habituellement, vous visez beaucoup mieux que ça! Tu devrais te méfier. Depuis quand vous êtes devenue aussi terrifiante? Il est invincible! Rien ni personne n'est invincible. D'accord, là, ça devient carrément ridicule. Ellie, qu'est-ce qu'on va faire? Et si on lançait nos deux infernas en même temps? Faut battre en retraite. On ne peut rien contre lui. On va d'abord aller chercher Prompto.
Allez, viens!